D'abord, fiom chauffeur jo haré syndicat e jamano nabide makko parce que haré chauffeur be gono ga welbe nabude wobbe welana nabude bay fo mo idata haré priorité be gono ga e si pj jamatel be don haaju ngani urgent wodi be imminta nabura makko ba ben fi si haaju mabbe yanni parce que haré auto je den gari no burdi mo dude en do fo no tawa e needi di fi wallita gol telmede e ko dum wadi si tawi wombe ton be wobbe ben ko be centre de professeur de centre wobbe ben kaka commune telmede do wobbe ben kaka commune guguje wobbe ben kaka commune center dum fof ko hondu wadi dum don fof ko relation jidu e bendo fof mo nabi de mabbe ko arobe habbi to yaada e makko yaada e makko parce que sa yaade passage de nevike o na jettu numero ma on rewana lan bon a 35 km de telmede o wi ori o rewani bedo do donc wono guguje ko 20 km de telmede encore center ko 35 km bon dum don fof sa ay mo jogi relation ben non fof ko parce que ko nabi dangal no moddi donc haray menen kadi ko suggo on nabi dal wela tamen mo e bondugol e respect parce que respect chauffeur no ton respect passager no ton ko do wadi men wadi programme ka syndicat do si chauffeur ke teddinta passager o bakata do donc men wadi brigade contrôle gol pidji din fof fi de mat Effectivement, le samedi, dans les environs de 14h, j'étais parti prendre un document à la maison. C'est à partir de là-bas, ma sage-femme est allée me chercher pour m'informer qu'il y a eu un accident mortel et qu'ils ont même déposé quelques cadavres ici. Donc, sur précipitation, je me suis rendu au centre de santé. À la rentrée, j'ai trouvé la pick-up même qui avait les corps dans la camionnette. Donc, je l'ai réorienté vers la morgue. On a fait rentrer la pick-up. Sur le coup, j'ai compté 9 corps sur le coup. Donc, avec ça, le monde était paniqué, le monde était désorienté. Donc, de là-bas, je suis venu
à l'intérieur de salle, dans les cabines, toutes les cabines étaient occupées par des blessés, mais des blessés graves, parce que certains étaient dans l'inconscience totale, dans le coma. Ceux qui n'étaient pas dans le coma saignaient abondamment. Donc, ce que nous avons pu faire ici, c'est d'immobiliser les fracturés, de faire la suture pour quand même arrêter le saignement. C'est ceux-là qui avaient des plaies ouvertes. Pratiquement, c'est ce que nous avons fait. Donner des antalgiques pour quand même calmer la douleur. À l'instant même, dès que j'ai constaté le cas, j'ai appelé madame la DPS. À l'instant même, j'ai appelé madame la DPS. Elle était à Kindia, je crois. Elle était en réunion avec les membres du gouvernement, parce que tout le gouvernement était à Kindia, elle était dans la salle. J'ai appelé et elle a coupé. J'ai compris qu'elle est occupée. J'ai envoyé un message. Dès qu'elle a vu le texto, elle s'est déplacée directement. Elle est sortie de la salle. Elle m'a rappelé. Je l'ai expliqué. À l'instant même, elle a appelé le DH pour mettre en route les ambulances. En même temps, le chef de centre de Tamene, qui est à côté, ce centre a une ambulance. Elle a instruit d'envoyer l'ambulance urgente. Donc, c'est l'ambulance-là qui est arrivée ici en première position. Quelques minutes après, deux autres ambulances encore étaient venues. Mais c'était insuffisant, il fallait qu'on déplace d'autres véhicules privés. Donc c'est comme ça. Et en tout cas, dans les deux heures qui suivaient, tous les malades étaient évacués. Au total, 21, n'est-ce pas? Il y avait 9 morts. Ceci, bon, c'est la soirée, ils sont venus les chercher. Ils étaient au nombre de 21. Oui. Mais il faut qu'ils m'aiment d'arri. Je me suis dit que le syndicat en chef de l'île chauffeur, il faut qu'ils m'aiment d'arri, il faut qu'ils m'aiment d'arri. Donc, je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis Mahanem blessé d'un accident, si accident mais de pas 6 véhicules. Si à du corps qui dit mon cala casse au préfecture qu'à doit y aller donc. Les gens de mes heures doivent 4h du matin. On est centre 45 km de Télémélé. Mes heures du Télémélé ont mené arrêt à la continuer. Donc mes nerfs de fou, oui tu bimbi, mais il te dit qu'à bureau c'est le cas là. Mais hier où tu dis et jamais tu dis et chef de bâtiment au père même pas. Mais où du Congo gâteau, mais où du bon, mais où du commission. Si entièrement on y no wabe tawroye Allah okori men sadaka ji kadi onabore me yey me hewti don e bolon daaji di me hewronde mabbe wona ha surra de arti wonti ti bimbi bun kadi men wadi delegation kadi munyinti golbe kadi yiti de mabbe parce que si woni joni e fatu nadi surra matu nga yiltitaaki are ko fi boy ngona be onti me wadi mission go kadi men yaltiti kadi men yey me hewdondire mabbe kadi men munyinti de be wotti e kongol gotol dum hawri wonde nen ka jamiu jebe tumbondira to moko badde fo me woni kongo gotol ne wondiri bon après ba men artiga kadi bagage ko men accuno so petit kong men dabbi autoji go kadi me yahdi bagage men arti me yey men gendarmerie on tong e syndicat on tondo men wadi mo kala numero bagage mum e numero telephone fi do hettora parce que bagage din kadi wata arde dum men jonnani wo kadi me wondo telephone ni tonnu modi no tonnu aran do me jetta inde makko den e numero telephone makko men wadi disma don quoi be hetti effectivement il y avait ce terrible drame et étant informé téléphoniquement je me suis transporté là-bas. Arrivé sur le lieu, Dieu m'a accordé cette chance de pouvoir transporter en premier lieu, les urgences au centre de santé de Tondon, où il y a eu les premières mesures prises. Sur place, il y a eu 9 morts. Et l'accident s'est produit entre deux véhicules. Un de Mitsubishi
RC 51-51 AC. Deuxième, une voiture Peugeot 505-02-02 série T. Et les circonstances de cet accident, c'est dû non seulement à l'excès de vitesse, l'insécurité des personnes et la circulation à gauche de la part de la voiture Mitsubishi. Bon, actuellement où je suis informé, il y a 13 morts et 21 blessés. Grave. Bon, en fait, d'après la gendarmerie, c'est un excès de vitesse où aucun des chauffeurs ne maîtrisait vraiment la direction. Et là où l'accident s'est produit, c'est au niveau d'un virage. Et sur une petite montagne, personne ne voyait le second. Il ne se voyait pas en quelque sorte. Il y a un petit amont de part et d'autre. Donc, c'est au niveau de la montagne, de la petite montagne. C'est en ce moment, c'est là-bas, ils se sont vus. Mais il était trop tard. Il paraît que l'un occupait le tronçon de l'autre. Donc l'accident était pratiquement inévitable parce que tous étaient en pleine vitesse. D'après les gendarmes. Donc si vous m'avez un nom, parce que d'abord, quand on entre à Goudron, sinon la discorde est discontinue. Quand on y était fait, on constate en tant que Marigonga ou Mamoni Maragonga. On a dit, quand on route, on roule les calaos. Si fort à ma haïsité, à la charge de constater, il y a un roule comme Marigonga. Donc, on doit dire que le meilleur mendari terre, on met le roule de mission, on est à la gonga. Mais il d'accord, on ne veut, mais il y a un terre. Bon, on dit qu'à Goudron, on a travel dans le En premier lieu, c'était l'excès de vitesse. Et dans un virage, oui, surcharge de personnes, c'est-à-dire l'insécurité, surcharge de personnes. Puisque les usagers d'actuel portent les personnes sur les porte-bagages. Transport mixte, il y a les bagages, il y a les personnes sur les bagages. Les deux voitures portaient des porte-bagages. OK? Mais logiquement, la voiture Peugeot 505, a 9 places. Et celle de la Mitsubishi partait en cérémonie. Dès que j'ai entendu que l'accident a été fait à Tondombadi, j'étais à Conakry. Directement, j'ai pris une moto, j'ai déplacé un taxi-moto qui m'a amené jusqu'au lieu d'accident. On est arrivé au lieu d'accident, on a trouvé les deux véhicules qui ont fait l'accident. Maintenant, on nous a dit là-bas que là, ceux qui sont morts, ça se trouve au morgue, à Badi. J'étais à Badi, j'ai regardé ceux qui sont décédés, au terre là-bas, j'ai regardé, j'ai pas vu ma femme. On dit, ah, il y a d'autres sur le sable. J'ai ouvert la chambre, j'ai trouvé ma femme couchée là-bas. Maintenant, on a eu des difficultés un peu. J'ai eu doute. Comment je vais enlever le corps là ici pour amener à Télémédé? J'ai appelé à Conakry, mes amis qui sont à Conakry ont dit on vient avec un véhicule. J'ai resté tranquille un peu, j'ai vu le syndicat, le président du syndicat de Télémédé a arrivé. Je lui ai demandé comment on va ramener le corps. On dit il y a beaucoup de véhicules qui viennent pour ramener le corps. J'ai dit bon. À partir de l'instant, je me suis soulagé. Ils ont pris le véhicule, ils ont carburé le véhicule, ils ont parti pour nous aider. Ils ont aidé tous ceux qui sont eu des corps, ramenés jusqu'à destination. Le matin bonheur, je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle a déjà bougé. Elle était avec ma tante, avec son enfant. On a parlé, jusqu'en cours de route même. Sous peu de temps après même, je ne l'ai plus appelée. Comprenez, un peu plus tard, vers 15h comme ça, il y a ma petite sœur qui m'a appelé, soi-disant que si j'ai parlé avec ma maman, je lui ai dit non, on n'a pas parlé. Et toi? Elle m'a dit, ah quand même, elle a appelé ma mère, mais ça ne passe pas.
après l'appel même, moi aussi j'ai appelé, j'ai tenté son numéro une fois, une à deux reprises, ça n'a pas, elle n'a pas répondu. Après maintenant, j'ai dit que peut-être elle est en cours de salutation en ce moment-là, vous comprenez? Bon, mais auparavant de cela, il y avait eu deux appels de mes grands, qui sont déjà à Télimélé, mais ils ne m'appellent pas fréquemment. Il y avait eu deux, et l'un m'a appelé, il m'a appelé, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien, et toi? Mais comme il a vu maintenant que je n'ai rien compris, il a changé le sujet. Donc, il a changé le sujet. Le second encore, il m'a appelé, ça a été pareil. Donc, sous peu de temps après maintenant, ma petite sœur m'a rappelé encore. Soit disant, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ah, il y a quoi? Moi, si je n'étais au courant de rien, vous comprenez? Sous peu de temps après maintenant, j'ai rappelé l'un de ceux qui m'ont appelé là. Je leur ai dit, grand, s'il te plaît, il faut me dire réellement ce qui ne va pas. Parce que moi, j'ai su maintenant qu'il y a quelque chose qui est cassé maintenant derrière tout ça. Donc, il m'a dit, bon, tu pourras surmonter. Je lui ai promis, oui, que je pourrais surmonter. Il m'a dit, ok, donc je te présente mes condoléances. Ta maman a été victime d'un accident. Bon, vu cette situation-là, c'est beaucoup difficile. Parce que depuis un moment, on a déjà perdu notre père. C'était le 6 juillet 2018. À ce moment, on faisait la première année de l'université. Vous comprenez? Après toutes ces années-là, maintenant, on partage la vie avec notre maman qui remplace la place de notre père. Moi, quand même, j'ai fini mes études. Vous comprenez? Mais maintenant, il y a mes petits frères et sœurs. Il y a mon frère encore qui est là. Bon, c'est ma maman qui couvrait tout. Maintenant, là, elle aussi, on l'a perdue cette fois-ci-là. Donc, je vois qu'il y aura beaucoup de difficultés de ce côté. Mais bon, par la grâce de Dieu, on espère que tout va aller bien. Oui, il y a un peu de temps. Comment? Allah a dit qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il sait, Harry, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Ti Maria zango no taya le 7 a dundo juillet sago amen dundo taway no be kono bala dirini en ala fere alla ne be yafo yafo be yafo ah c'est pitiable. Je suis là depuis matin, on est là pour voir qui va rester sur le lit. Les enfants étudient. Il y a d'autres à Kamsa, il y a d'autres à Dalaba. Les filles, son grande fille qui est là, qui a fait brevet, on devait le marier le 7 de cette fête qui vient là. Donc, après lui ici, il n'y a personne ici. Depuis matin, on cherche qui va rester ici sur le lit. Parce que sa maman seulement qui était là, il y a son mouton, ses poulets, il y a tout ici. Donc actuellement il y a personne. On cherche qui va rester ici maintenant, parce que les enfants doivent retourner pour faire leurs études. Mais on n'a pas eu d'abord quelqu'un qui va rester ici. Sur les accidents de la route, vous avez vu que c'est une émotion qui a irradié toute la société guinéenne et qui a profondément ému les membres du gouvernement et le président de la République. Et aussi qui a permis de mettre à nu les déficits qu'il y a en termes de secours, en termes de civilité, dans le respect du code de la route. Il faut rappeler quand même que les surcharges de population, les surcharges de passagers sont proscrites. Le mélange passagers-marchandises s'interdit. La conduite sans permis, c'est tout ça. C'est des facteurs qui sont à l'origine de certains des accidents qui ont endeuillé les populations guinéennes. Donc, c'est des choses que nous avons rappelées et des dispositions vont être mise en œuvre rapidement pour permettre une meilleure organisation des secours et puis accroître la sensibilisation des populations sur le respect d'un certain nombre de règles dans la conduite et dans la circulation. Donc oui, ces accidents ont mis à la lumière aussi un certain nombre de comportements, parce qu'il faut le dire, un pourcentage très élevé des accidents sont liés aux non-observations des règles de la circulation, plus que la vétusté des véhicules ou l'état de la route, qui arrive aussi dans le cas, mais qui concerne un pourcentage très léger.